est quand même bien formée. Oui, régulièrement. Une plage assez plate, hein. Il y a très peu de bail. Bonjour. Salut. Bonjour, aujourd'hui nous vous emmenons à la pêche en surfcasting. Le surfcasting, traduisé lancé dans la vague, se pratique essentiellement à partir d'une plage, même si on peut l'utiliser sur une digue, un enrochement. Si la technique n'est pas très compliquée, il suffit simplement d'envoyer un appât le plus loin possible et d'attendre que le poisson vienne s'en saisir. La réussite passe tout de même par un matériel adéquat et des montages sensibles. Démonstration, explication avec l'un des meilleurs spécialistes de la discipline en France, Denis Borizard, qui sera cette fois-ci accompagné de Claude Bénard. Alors le surf, ça commence déjà par le matériel. Denis, que nous faut-il pour bien pêcher ? Alors, mais comme toutes les techniques de pêche, le surfcasting demande et nécessite un matériel bien spécifique. Il nous faut bien entendu des cannes et des moulinets. Alors on trouve aujourd'hui à disposition des pêcheurs deux grandes familles de cannes. Des cannes adaptées à la distance de pêche, à des grandes distances de pêche, et des cannes, je dirais, plus axées sur la simplicité d'utilisation et sur la maniabilité. Donc si on regarde ces deux grandes familles de cannes, en décrivant chacune d'elles, on s'aperçoit ici pour celle-ci que c'est une canne en trois éléments, en emmanchement, qui existe généralement dans des longueurs de 4,20 m à 5 m pour les plus grandes. On a donc ici une canne classique, traditionnelle. On voit ici que la canne est souple. C'est donc une canne adaptée au lancer par-dessus la tête. On a sur cette canne un moulinet dit à tambour fixe, qui est également un moulinet très simple d'utilisation et qui permettra aux pêcheurs, je dirais débutants, de rapidement ressentir des sensations, rapidement être efficace en pêche. Alors ça représente le matériel du débutant. Disons que c'est le matériel, oui, effectivement, vers lequel le débutant doit se tourner au départ pour apprendre à pêcher réellement. Par la suite, on trouve un autre type de canne qui se différencie d'une part par la longueur. Ce sont des cannes plus courtes. Les cannes à répartition mesurent effectivement généralement 3,90 m, voire 4 m pour les plus grandes. Elles sont en deux brins, deux éléments, au lieu de trois pour les précédentes. Et au niveau de la puissance, on trouve sensiblement les mêmes choses, c'est-à-dire des cannes légères et des cannes de 100 à 200 grammes, qui est la puissance généralement utilisée en France pour le surf lourd. Sur cette canne-là, on voit un moulinet à tambour tournant, qui est le moulinet, je dirais, le moulinet roi pour atteindre de grandes distances de pêche, puisque ce moulinet et cette canne permettent associés de pêcher à plus de 120 mètres du bord, ce qui est très difficilement réalisable avec le matériel précédent. Et on explique ces différences de distance par la conception de la canne. Alors que nous avions une canne souple tout à l'heure, nous avons ici une canne d'action de pointe. On voit ici qu'elle est plus rapide. Donc une canne plus adaptée au lancer de distance. Alors ces particularités demandent effectivement de la maîtrise, demandent de l'apprentissage d'une technique de lancer moderne, comme le lancer pendulaire ou le plomb posé ou encore le backcast, et ce qui fait que ce matériel est quand même réservé à quelqu'un qui a non seulement de l'expérience, mais qui a passé un petit peu de temps à apprendre à lancer. Alors le surfcasting, ça se pratique canne posée. Je vois qu'il y a là des supports. Tu peux nous les présenter ? Effectivement, on a deux familles de supports de canne, étant donné que dans la plupart des cas, on va poser ces cannes à un endroit particulier. On va utiliser soit des pics, on en voit ici de plusieurs tailles. Ces pics reçoivent une canne et ont l'avantage de pouvoir être déplacés aisément et à volonté. Alors parmi les pics, différentes longueurs, pourquoi ? Ces grandes pics-là permettent effectivement de positionner la canne plus haute par rapport à la surface de l'eau. Et quand on a des vagues ou des grosses vagues, ça permet de mettre la pointe de la canne beaucoup plus haute. De plus, bon, un pic comme celui-ci, qui est très court, n'a pas suffisamment
d'empattement au sol pour être stable quand la mer bouge beaucoup. Donc on aura tendance à dire plus la mer est grosse, plus on devra utiliser une pique longue. À côté, on a un trépied. Bon, le trépied est différent dans le sens où il peut recevoir deux cannes. Donc il est, de ce fait, il est très utilisé par les pêcheurs de compétition qui peuvent pratiquer à deux cannes souvent et qui permet d'avoir toute son organisation, sa caisse et à portée de main, hein, sans être obligé de parcourir de grandes distances. Il peut également permettre une inclinaison des cannes différente. On peut les monter ou les descendre le long de la pique centrale. Bon, c'est un accessoire, je dirais, plutôt axé sur la compétition. Il faut savoir que le trépied, dans certaines conditions, mer très forte, est quand même moins stable que la traditionnelle pique. Je voudrais revenir sur les moulinets que nous avons vus il y a quelques instants. Une chose qui est importante, de la même manière que la canne de surfcasting doit avoir une puissance comprise entre 100 et 200 grammes, les moulinets de surf, que ce soit pour les tournants ou pour les fixes, doivent avoir une contenance minimum de 300 mètres de 35. Cette contenance est nécessaire parce que dans la plupart des cas, on a besoin de non seulement de pouvoir lancer les plombs assez loin du bord et de garder une certaine réserve de nylon dans la mesure où il y a un gros poisson. Hein, certains poissons pouvant sortir plusieurs dizaines de mètres de fil. Alors le 35 centième est le montage de base des moulinets. La base, le nylon basique, oui, effectivement, c'est le 35 centième. Après, en fonction des conditions de pêche, si la mer est très forte, on pourra mettre du 40 pour utiliser des poids lourds, ou à l'inverse, par mer plate, pour des pêches fines, on va descendre de manière à pouvoir compenser la baisse des plombs utilisés. Tout cela représente donc le matériel de base? Tout à fait. Le matériel basique, le matériel indispensable pour pouvoir commencer à pêcher, pour pouvoir se présenter sur une plage. Il y a donc après les accessoires et les montages. C'est la deuxième étape, hein, c'est la construction des montages, c'est l'échage des appâts et le positionnement des cannes. Et puis nous verrons tout à l'heure, nous espérons que tout ça mis bout à bout permet de faire effectivement du poisson en surfcasting. Si tu le veux bien, ben, je te demande de me suivre, on va aller faire ces montages. Sans problème. Ouais. Je vais donc prendre deux brassées de mon nylon en 60 centièmes, soit approximativement 2 mètres. Et je vais construire mon bas de ligne de base en haut. Je commence par placer l'œillet qui me permettra de raccorder ce bas de ligne à l'arraché de ma canne. J'humidifie toujours les nœuds pour éviter que le nylon ne chauffe et ne casse. Et je coupe l'excédent. Une fois que cet œillet est posé, je vais enfiler mes systèmes de connexion. Comme je dois monter un bas de ligne avec deux empiles, je renouvelle l'opération une seconde fois avec une sleeve, une perle, un émerillon une deuxième perle et une deuxième sleeve. Voilà donc mes deux systèmes de connexion positionnés et enfilés sur mon nylon. Je vais maintenant fixer une agrafe sur laquelle je fixerai plus tard mon plomb. Il ne me reste plus qu'à positionner de manière définitive mes systèmes de connexion. J'en place un sur la partie supérieure du montage, donc tout en haut, en pinçant les sleeves sur le nylon. Je donne un coup de pince
sur la droite de la sleeve et un coup de pince sur la gauche dans l'autre sens. Et ma sleeve est bloquée. Je renouvelle l'opération sur celle du haut. Un coup à droite, un coup à gauche. Et on voit ici que mon système de connexion est totalement libre, que mon émerillon tourne autour de mon corps de ligne, ce qui évitera les emmêlages en action de pêche. Il ne me reste plus qu'à finaliser le montage en positionnant la deuxième partie. Je pince mes sleeves. Voilà. La dernière étape consiste à fixer les empiles sur l'âme de ce montage. Je vais donc faire intervenir des hameçons que j'ai préalablement montés, ce qui évite toujours en action de pêche de perdre du temps inutilement. Et je fixe ces empiles sur chacun des émerillons. La première. Et la deuxième. On voit donc ici l'empile solidarisée sur le corps de ligne par mon système de connexion et qui est totalement libre de tourner autour. Ce montage me permettra donc de présenter des appâts le plus naturellement possible et peut-être même tout à l'heure de prendre quelques poissons. Alors nous venons de voir qu'il est possible de faire ces montages soi-même. Et des montages, il y en a des dizaines et des dizaines. Parmi ceux-là, trois classiques, ceux qui ont fait leur preuve. Denis, tu vas nous les présenter? Oui, alors effectivement, on a ici un échantillonnage des montages les plus courants et les plus efficaces. On distingue deux types de montages sur ces trois, les montages de fond et les montages qui permettent de présenter les appâts entre deux eaux. Alors, qu'est-ce qui les différencie? Dans quelles conditions on les utilise? Les montages qui présentent les appâts entre deux eaux sont principalement utilisés par mer agitée, tandis que les montages de fond, comme les traînards, sont destinés aux mers calmes, parce que le poisson a plutôt tendance à se nourrir sur le fond. Le premier que tu as fabriqué alors? Alors ça c'est le montage deux empiles. C'est un montage qui permet de présenter donc deux appâts, soit différents, soit les mêmes, à deux étages différents. À deux niveaux différents. On en a un là-haut. On en a un en haut. Un autre à peu près à mi-distance jusqu'au plomb. Tout à fait. Et le plomb. On voit ici que l'hameçon du haut est au-dessus du connecteur inférieur et que l'hameçon descend jusqu'au plomb. Avec ce type de montage, on va prendre quel genre de poisson? On va prendre essentiellement des poissons chasseurs, des poissons qui circulent entre deux eaux. Donc je dirais principalement du bar ou du loup pour les méditerranéens. On pourra également prendre en fonction de la pente de la plage, c'est-à-dire de la profondeur, des poissons plats. Parce que dans des endroits qui sont peu profonds, le montage aura tendance à être quand même très incliné et à faire reposer les hameçons ou circuler les hameçons au ras du fond. Donc c'est un montage polyvalent qui permet de prendre des poissons chasseurs ou des poissons de fond, ou des sparidés également dans certains cas, comme les sards ou les dorades. Un petit mot aussi sur le plomb, il en existe de différentes sortes également. Celui-là? Ça c'est un plomb bombe, ce qu'on appelle un plomb bombe. C'est un plomb sans grappin qui est quand même destiné à des mers plutôt calmes,
puisqu'il n'a aucun système d'accrochage sur le fond. Hein, c'est un plomb qu'on peut utiliser pour chercher la distance, parce qu'il va loin, il est très aérodynamique. On peut s'en servir également pour le laisser dériver dans le courant. C'est un plomb classique. Le second montage, c'est un montage de fond. Ce que j'ai appelé tout à l'heure le traînard, hein, puisque l'hameçon va traîner sur le fond. C'est un montage essentiellement destiné aux poissons qui se nourrissent dans le sable. Ça peut aller du bar qui, par mer calme, recherche sa nourriture au fond, jusqu'à la dorade qui va fouiller, qui va chercher dans des endroits plus ou moins rocheux, en passant par le marbré ou par les poissons plats. Alors, ce badling qu'on appelle traînard, est-ce qu'il peut avoir une petite longueur, une grande longueur? Il faut toujours rechercher, contrairement au montage à potence, donc au montage en pile, qui sont difficiles à manier dans la mesure où l'agitation des vagues peut occasionner des nœuds et des emmêlages. Le traînard, quant à lui, est destiné à des mers calmes, donc il va toujours falloir, pour une question de discrétion et de naturel, de comportement de l'appât, rechercher à avoir une longueur la plus importante possible. Alors je dirais que le minimum doit être entre 50 et 80 cm, vraiment le minimum. Et on peut aller sur des traînards de 2, voire 3 mètres dans certains cas où le poisson est très difficile. Là, le plomb? Le plomb, c'est ce qu'on appelle une châtaigne, hein, ou un plomb étoile. La particularité du plomb châtaigne, c'est que c'est un plomb qui s'adapte particulièrement bien aux pêches du sud-ouest, où le sable est assez fin, un sable qui absorbe. Ce plomb-là va s'ensabler sur le fond et il ne sortira pas. Alors, c'est un compromis entre le précédent plomb que nous avons vu et le plomb à grappin, puisque c'est un plomb qui a tendance à dériver un tout petit peu, mais qui garde une bonne stabilité sur le fond. Par contre, on perd en distance, vu sa forme, ce n'est pas un plomb qui permet d'aller très très loin. Le troisième montage classique, qui est déjà plus sophistiqué, non? Alors, effectivement, il est plus sophistiqué. Pourquoi? Parce que là, on a cherché à concevoir un montage de distance qui permette de pêcher loin. C'est pour ça qu'il est sur la canne à répartition. Alors, ce montage diffère du premier que nous avons vu par le fait qu'il n'y a qu'une seule empile, très longue. Donc une empile qui va permettre de donner à l'appât, aux appâts, une mobilité maximum. C'est un montage qui possède un accroche-appât. L'accroche-appât permet d'éviter que l'appât ne fasse le drapeau derrière, c'est-à-dire qu'il ne freine le montage, étant donné qu'il va être positionné juste derrière le plomb et qu'il va profiter de l'aspiration. Ensuite, on distingue ici un sequin et une perle. Le sequin, c'est la petite pastille. C'est la petite pastille en plastique que l'on voit ici et qui va permettre de bloquer l'appât en haut. Ça évitera que celui-ci, lors du lancer, étant donné que l'appât est juste derrière le plomb, ça évitera que votre appât ne remonte le long de la ligne. C'est donc un montage typique pour la longue distance, qui est utilisable, dans à peu près toutes les conditions de pêche. Par contre, il faudra allonger ou réduire la longueur de l'empile en fonction de l'état de la mer. Un petit mot sur le plomb? Ça, c'est le plomb classique, traditionnel du pêcheur en surf, ce qu'on appelle le plomb grappin. Hein, c'est un plomb débrayable qui permet, si tu me permets, de s'ancrer dans le sable et lors de l'attraction de la canne qui va s'ouvrir. Donc vous aurez un montage qui restera en position durant toute la durée de la pêche. Dès que vous allez solliciter ce plomb par une traction plus ou moins forte, celui-ci va s'ouvrir et vous pourrez le récupérer. C'est le plomb roi, si je puis dire, du pêcheur en surf. On va commencer par hécher la sardine. Alors pour les pêches qui nous intéressent aujourd'hui, on ne va pas hécher la sardine complètement. On va se contenter d'en prélever le filet et de le monter sur l'hameçon. Pour enlever ce filet, on prend derrière la tête et avec un couteau, on suit jusqu'à la base de la queue. Très simplement. J'écarte donc le résidu. Je vais refendre mon filet
du côté chair par le centre et je pique mon hameçon sur le côté extérieur au centre de la partie la plus large du filet. Et je replie ce filet autour du nylon. Comme un sandwich. Comme un sandwich, exactement. Après, je vais utiliser quelque chose qui est indispensable, c'est le fil élastique. Le fil élastique est un élastique très fin, inodore, incolore, qui va nous permettre de fixer solidement tous les appâts fragiles sur les hameçons. Je reprends donc mon sandwich, comme tu dis ici justement, et je vais refermer celui-ci à l'aide du fil élastique. Je monte en haut et je refais chemin inverse jusqu'en bas en veillant bien à ne pas couvrir la pointe de l'hameçon. On finit par une fausse boucle et voilà le filet de sardine correctement éché. Important, la pointe de l'hameçon dépasse. La pointe de l'hameçon doit être bien entendu bien dégagée du filet, de manière à ce que le poisson puisse se piquer, parce que la bouchée est quand même conséquente. Alors, ce type d'appât peut intéresser tous les carnassiers, le loup, le congre, quelquefois le sar, qui s'y laisse tenter, la plupart des poissons, des poissons chasseurs. Voilà. Deuxième sorte d'appât ? Tout à fait. On va donc prendre le deuxième hameçon. Je vais écher maintenant l'appât le plus commun et le plus connu des pêcheurs en mer, la demi-dure ou la gravette rouge. C'est l'un des appâts de base. C'est l'un des appâts de base, oui. C'est celui qui coûte le moins cher, qui peut se ramasser aussi également très facilement. Donc là, contrairement à d'autres vers, je vais en mettre plusieurs. L'intérêt de la gravette rouge, c'est de créer une bouchée conséquente. N'oublions pas que nous sommes en mer et qu'il faut attirer le poisson. Donc, je vais écher plusieurs vers les uns derrière les autres. Alors, on pique par la bouche, on fait remonter sur à peu près un tiers de la longueur du ver et on fait ressortir la pointe. Il ne reste plus qu'à faire repasser le ver au-dessus de l'hameçon. Et on va en piquer comme ça, 5 ou 6. Voilà. Là, tu les enfiles, tu les mets pas en grappe. Je les mets en grappe, justement. Tu vas voir par la suite. Je ne les enfile pas intégralement, comme on pourrait également le faire, hein, à l'aide d'une aiguille. Je les mets à la queue leu-leu, c'est le cas de le dire. Et le dernier, je descends la pointe un peu plus bas, de manière à couvrir toute la rampe de l'hameçon. Ce qui fait que quand mes vers sont finis d'écher, on a effectivement une grappe très attractive pour le poisson. Et ça, ça peut prendre absolument toutes les espèces de poissons que l'on trouve chez nous. Troisième sorte d'appât. Alors, troisième sorte d'appât, les coquillages. Les poissons sont même très friands, et notamment tout ce qui est sparidé. Et puis occasionnellement le bar également qui se laisse tenter. Donc je le mets sur un hameçon du bas. On va le mettre sur un traînard. La manière de procéder est un petit peu la même que la sardine, étant donné que le coquillage est un appât fragile. On sort la bête de la coquille. On la pique plusieurs fois sur l'hameçon en effectuant un demi-tour à chaque fois. Et on prend le fil élastique pour l'assurer solidement sur l'hameçon. Une belle bouchée, quoi. Il faut toujours faire de belles bouchées. Le poisson a ce qu'il faut pour se nourrir sous l'eau. Donc si on ne lui donne pas l'équivalent, voilà.
Et enfin, notre quatrième appât de base. Ben, le quatrième appât de base, c'est toujours un verre, mais qui va se préparer différemment du précédent que nous avons vu. Étant donné que nous allons utiliser une aiguille pour le présenter sur la meçon, qu'on ne va mettre qu'un seul verre sur la meçon. Alors j'utilise pour ça une aiguille à écher. On prend toujours le verre par la bouche, on le fait remonter sur l'aiguille, comme ceci. Et il n'y a plus qu'à piquer la pointe de la meçon dans l'aiguille, qui est creuse, et à faire remonter le verre tout naturellement sur le montage. Les poissons qu'on leur prend avec ? Dorade, marbré, sard, bar, enfin, tout un tas d'espèces. Il existe bien d'autres vers comme le ver américain ou le dur de Corée qui sont des vers aussi efficaces et qui vont s'adresser aussi à bon nombre de poissons. Voilà donc les quatre appâts que l'on utilise majoritairement sur nos côtes. Je pense que maintenant il ne reste plus qu'à faire une chose, c'est aller les mettre dans l'eau. Sans problème. Ouais. Le réflexe premier du pêcheur en surf, c'est de trouver les bons postes, de trouver les bons endroits où le poisson va venir se réfugier, entre guillemets, va venir circuler pour trouver sa nourriture. Alors ces postes, ça peut être des trous, ça peut être des tombants de bancs de sable, ça peut être des couloirs, ça peut être tout un tas d'éléments naturels qui vont véhiculer de la nourriture. Et nous nous sommes justement mis sur un de ces postes. Comment est-ce qu'on a fait pour le reconnaître ? Mais tout simplement en regardant, en scrutant la surface de l'eau et en étudiant les vagues. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la lecture de ces vagues va nous permettre de déterminer les zones plus profondes que les autres. Donc ici, effectivement, on s'aperçoit que d'une manière uniforme, on a des petites vagues relativement courtes et longilignes qui courent sur toute la plage. Et devant nous, on voit une zone qui se dessine clairement où les vagues, en arrivant, s'écrasent jusqu'à disparaître totalement. On voit également la surface de l'eau qui bouge latéralement et on voit sur notre gauche une zone assez vaste où il n'y a quasiment pas de vagues. Donc cette zone-là est profonde. On voit se dessiner un courant qui rentre par la droite, qui vient tourner dans le trou et qui vient s'échapper au large. Cette zone-là est intéressante pour le poisson parce que toute la nourriture va y aboutir et il va trouver sans aucun problème tout ce qu'il recherche. Donc l'intérêt en surfcasting de la lecture, c'est d'effectivement trouver les bons postes. Il faut savoir que si vous êtes 20 mètres à gauche ou 20 mètres à droite d'un poste intéressant, vous pouvez tout à fait faire un carreau monumental. Donc le choix du poste et le positionnement du matériel est très important. C'est-à-dire que quand il y a des vagues, c'est des hauts fonds, on n'y pêche pas. Oui. Et on pêche entre ces vagues qui arrivent. On pêche dans les zones qui sont plus profondes parce qu'automatiquement la nourriture qui est au fond va être véhiculée dans ces zones profondes et va s'y accumuler. Bon, je vais placer mon montage juste derrière les vagues, à une cinquantaine de mètres. Je pense qu'ici ça suffit. Voilà. Je laisse tendre le fil. Voilà, mon grappin a pris la croche sur le sable. Il ne reste plus qu'à attendre. Ce que je vais faire maintenant, je vais ramener ma canne. Et on va en profiter pour jeter un œil sur ce qu'il faut faire pour récupérer sa ligne. La récupération d'une ligne de surf ne se fait jamais en force. Il faut toujours penser qu'on a au bout un grappin qui souvent pèse assez lourd, plus de 120 grammes.
qu'on a des bas de ligne qui sont montés et relativement fins, et qu'une belle pièce ne peut pas se ramener en force. On risque de casser, si le plomb s'accroche encore au fond, on a une fois de plus des risques de casse. Donc on procède à ce que l'on appelle le pompage, c'est-à-dire que comme vous le voyez ici, je tire sur ma canne, je la baisse en ramenant et je pompe. Je ramène en baissant et je pompe. Et comme ceci tout au long de la récupération. Dès que le poisson va vouloir prendre de la ligne, dans ce cas, le frein doit libérer le fil. C'est-à-dire que vous allez opposer votre récupération au départ du poisson et que vous n'aurez aucun risque étant donné que le frein du moulinet va libérer la ligne lorsque les deux oppositions s'exercent. Bien quelque chose. Alors il faut bien faire attention pendant le combat à bien régler son frein. Ça n'a pas l'air vilain. Allez. Dans la mesure du possible, il est toujours plus sécurisant d'avancer vers le poisson au maximum. Il arrive, il se défend bien, hein, le bougre. La récupération, en fait, l'idéal, voilà, c'est de se mettre dans l'eau et d'amener le poisson sur le côté pour le saisir par les ouïes. Il va falloir l'échouer. Alors pour ça, il faut baisser la canne, voilà, le poisson arrive et on va le faire passer sur le côté. Que je vais tenter de faire. Allez, viens. Voilà, il arrive, on le voit en surface. Voilà. Approche du poisson. Allez, viens mon garçon. Hop là, voilà. Et d'un. Ce que nous venons de dire est très important. Effectivement, le réglage du frein est votre seule assurance et votre seule sécurité face à un gros poisson. Un bar de 2 kg n'est pas un exceptionnel combattant. Par contre, si un jour vous avez la chance et le bonheur de capturer un maigre ou un très gros congre ou une très grosse raie, ce sont quant à eux des poissons extrêmement combatifs qui font souffrir la ligne. Si votre frein est d'une part mal réglé et si vous n'avez pas, je dirais, le réflexe immédiat, c'est-à-dire avoir la main sur le frein de bobine pour pouvoir réagir dans les secondes qui suivent, vous avez beaucoup de chances de perdre votre poisson. Alors faites très attention à cet impératif. Alors Denis, maintenant on a lancé, je suppose que la position de la canne et la tension du fil sont extrêmement importantes. Oui, tout à fait. Le positionnement de la canne après le lancer va conditionner la sensibilité de la canne. Quand on est dans des configurations comme aujourd'hui avec une mer quand même assez agitée, il vaut mieux avoir la canne relativement droite, hein, et bien tendre le fil.
comme ça, bon, le fil va couper la vague et les vagues agiront moins que si le fil était détendu. Par contre, quand on a une mer plate, calme, on prend plutôt l'option d'incliner la canne beaucoup plus, de la rapprocher, de rapprocher la pointe du sol afin d'améliorer la sensibilité. Et dans ce cas-là également, quand on est sur des pêches fines et des poissons difficiles, il vaut mieux détendre le fil. Pour que le poisson... Et au niveau du frein ? Alors le frein, ben, il faut toujours le laisser un tout petit peu desserré, de manière à ce que si jamais il y a un gros poisson, celui-ci puisse partir sans risquer de casser la ligne. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la touche. Alors. Il n'y a plus qu'à attendre la touche, j'espère qu'elle va venir. Denis, une touche, tiens, non? Tu vois. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi, là? Bon, les vagues comme ça et la pas que je bouge, je pense que c'est un bar. Ouais, il y avait quelque chose. C'est pas très gros. Ouais, j'avais jeté juste derrière la vague, ce soir. Ah ouais. Voilà un petit bar. Bon, alors, Denis, écoute, ce poisson est vraiment assez petit, quand même. On va lui laisser là. On va aller le relâcher. Hein. Voilà. Ouais. Tu le reprendras quand il sera plus ouais, loin. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Pas de problème. L'oxygène un petit peu, puisse bien reprendre ses esprits. Allez, garçons. C'est important de remettre les poissons qui ne font pas la maille. C'est pas important, c'est capital. Je veux dire, aujourd'hui où la plupart des pêcheurs se plaignent, il y a de moins en moins de poissons. Je pense que bon, des poissons de cette taille qui sont des poissons très jeunes, hein, puisqu'un bar de cette taille a à peine un peu plus de 2 ans, il y a assez de poissons dans l'eau pour pouvoir se permettre de les remettre à l'eau. La taille minimum pour prendre un bar ? 36 cm. 36 cm, c'est déjà pas beaucoup. C'est pas très très gros. Bon, c'est alors... pas très gros. C'est un poisson qui n'a pas frayé, il faut le savoir. Les poissons qui ont frayé ont généralement plus de 40 cm. On va essayer d'en prendre un autre ? On va en prendre un plus gros. Allez, on y va. Surfcasting, il est important de changer régulièrement ses appâts. Effectivement, les vers ou autres zèches ont tendance à perdre rapidement leur saveur. On va dire que régulièrement, toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, il faudra relever sa ligne pour renouveler ses appâts. Alors au lieu de ramener systématiquement sa canne au niveau des affaires, on peut utiliser une tablette à appâts que l'on va bouger et faire suivre à côté de chacune des cannes, une tablette qui se trouve à hauteur de travail et qui permet d'avoir accès rapidement à tous ces appâts pour relâcher les bas de ligne.
Voilà. On peut aussi, si on préfère, utiliser un pic sur lequel on a fixé un seau pour placer également ses appâts. On peut ainsi se déplacer canne après canne pour rêcher rapidement. Successivement, après plusieurs lancers, il arrive que les cannes de surf, que les emmanchements pivotent. On voit ici que mes anneaux ne sont plus alignés. Il est donc conseillé régulièrement de venir vérifier ces emmanchements de manière à réaligner les anneaux au plus juste et à réassurer les emmanchements. On évitera ainsi de casser la canne. Petit conseil très important, au niveau de vos pics de soutien pour les cannes, veillez à toujours choisir un modèle qui possède un revêtement caoutchouc pour éviter de venir abîmer la peinture de votre canne ou le carbone, ou à défaut, enrouler la tête de maintien supérieur avec une bande de caoutchouc. Dans certains types de mer, lorsque l'eau est sale, salie par le sable remué depuis un certain temps, on peut avoir recours à des perles, généralement phosphorescentes, qui permettent d'attirer le poisson de plus loin. Ça donne un signal visuel et un attrait visuel supérieur qui viendra s'ajouter à l'attrait gustatif des appâts qu'on mettra au bout des hameçons. Même si nous n'avons pêché que deux jours, le surfcasting se pratique également la nuit. En effet, dès que le jour s'estompe, dès que la luminosité descend, le poisson a tendance généralement à se rapprocher du bord. On obtient donc souvent de très bons résultats en pêchant de nuit. Par contre, au niveau de l'indication des touches, étant donné que nous n'avons plus de lumière, on va utiliser des indicateurs de touches luminescents, comme les starlight, les bâtonnets lumineux, qui se présente sous cette forme. Il suffit de les tordre pour faire mélanger les deux produits qui sont à l'intérieur et obtenir un bâtonnet lumineux. Ce bâtonnet va se mettre sur la pointe de la canne, comme celui qui est installé ici, dans un tube de caoutchouc qui sera brûlé à la base pour être maintenu dans l'anneau. Le deuxième système est un système à pile que nous voyons ici. Il suffira de mettre le contact et de venir le placer sur un rail fixé sur la pointe de la canne. Ensuite, pour pouvoir évoluer normalement et sans aucun problème, l'accessoire indispensable du pêcheur en surf de nuit est la lampe de tête. C'est elle qui vous permettra de faire vos montages et d'échouer vos appâts correctement. Les cannes de surfcasting sont généralement très puissantes. Étant donné qu'on utilise également des plombs lourds, de 100, 125, 150 ou plus, il est nécessaire et indispensable d'utiliser ce que l'on appelle un arraché ou une tête de ligne. L'arraché est constitué d'une dizaine de mètres de nylon de fort diamètre, 40, 50 ou 60 centièmes en fonction de la puissance de la canne, ce qui va nous permettre de forcer considérablement au début du lancer, de ne pas risquer la casse, et sans perdre l'avantage du nylon en 30 ou en 35 centièmes que l'on aura dessous. Également indispensable, le doigtier de protection qui va éviter de se couper le doigt avec la puissance qui va être générée par la canne. On va donc mettre en application.
Alors vous savez tout ou à peu près sur le surfcasting, à vous maintenant d'en faire bon usage. Denis, je te remercie pour tous les renseignements que tu nous as donnés. C'était avec grand plaisir, puis je vous remercie aussi pour cet agréable week-end. On va peut-être aller nettoyer les poissons. Oui, on va enlever le sable. Et puis je te propose après d'aller les déguster ensemble. Ça c'est un plaisir qui ne se refuse pas. De jolis poissons. Je pense qu'on va... Mais qu'un immense piège. Est-ce que vous auriez la... Quand est-ce qu'on revient? Ah, quand tu veux alors.